toutes et à tous. Merci au journal La Marseillaise de mettre à notre disposition cette magnifique salle. Merci à Olivier Baruyol d'avoir accepté de partager la salle ce soir. Olivier est celui qui a organisé cette merveilleuse exposition qui s'appelle Les Rotatives. Je vous invite à en faire le tour et bien sûr aussi à acheter des œuvres. Cette soirée avec Alain Badiou, organisée à Marseille, s'inscrit dans un cycle qui a commencé le 24 novembre et qui se terminera le 2 décembre, dont le thème générique est « Que signifie changer le monde ?». Ce cycle a été imaginé et organisé par Altravotse, Images de Ville et Pensons le matin, la Maison des Jeunes de la Culture de Martigues, la médiathèque Boris Vian, et le cinéma Le Méliès de Port-de-Boux, le Repère et les universités populaires d'Aubagne et d'Aix-en-Provence, et enfin le Vélo-Théâtre d'Apt. Tout le programme de ces conférences se trouve sur le site qui est facile à mémoriser, que signifie changer le monde.org. Ce soir, dans la salle des rotatives de la Marseillaise, largement chargée de l'histoire, nous allons discuter de démocratie et médias. Pour cela, nous avons invité Pamela King, qui est la présidente, en anglais, c'est Démocrates Abroad France Marseille, et elle m'a dit que c'était les démocrates à l'étranger, ce qui est plus facile pour moi à prononcer. Également, Sébastien Mado, qui est le rédacteur en chef de la Marseillaise, Michel Quartou, qui est le président de la presse, du club de la presse Marseille-Provence-Alpes, et bien sûr, Alain Badiou. Tous les quatre vont débattre dans ce lieu chargé de l'histoire de la presse marseillaise. Vous savez les difficultés financières que rencontrent la Marseillaise, Ventilo, Zinzine, Le Ravi et bien d'autres. Est-il raisonnable que l'ensemble des médias de grande diffusion soit la propriété du grand capital? Les populations sont-elles résignées à accepter que le roman de George Orwell écrivait en 1984 deviennent réalité? Pamela, c'est à toi. Merci beaucoup, et merci beaucoup à Florence Pasotu qui est la gentillesse de m'inviter à parler brièvement sur un sujet qui me concerne en tant qu'Américaine, mais aussi en tant que représentante du Parti démocrate américain en France. J'étais récemment invitée à parler pendant la semaine de la pop philosophie sur le thème des fake news dans le contexte de la post-vérité. J'étais invitée en tant que démocrate, mais c'est plutôt la psychanalyse, à mon avis, qui peut apporter quelques réponses à cette question, parce que je suis aussi psychanalyste. Pour préparer cette discussion avec Françoise Gaillard, j'ai trouvé un de ses anciens textes, Autoportrait sur fond de paysage américain, sur l'ouvrage de Simone de Beauvoir, L'Amérique au jour le jour. Et dans ce texte, elle décrit les États-Unis comme un pays dont la culture promeut la surabondance, la profusion, que c'est une culture de trop. Et elle propose une explication. Elle dit que la démocratie de l'abondance s'est substituée à la démocratie émancipatrice des pionniers. Le trop est la pilule douce qui fait passer cette relégation amère en plongeant l'Amérique dans une amnésie euphorique. Et elle continue pour dire que c'est la disparition d'une démocratie, que l'émancipation est le principe sur lequel se fonde la démocratie politique. L'abondance, en revanche, est ce qui sert à en faire oublier sa disparition à l'heure de la démocratie sociale. Alors ça serait plutôt une question pour Alain Badiou tout à l'heure, cet contraste entre démocratie de l'abondance et émancipatrice, mais en tout cas, si je cite Françoise Gaillard, c'est pour adresser cette notion d'excès. C'est ça qui nous amène au sujet des fake news et de ce qu'on appelle la post-vérité. Cette histoire d'excès, de surabondance, caractérise notre époque hypermoderne où, comme on dit dans le champ psychanalytique, c'est l'ère de la montée au zénith de l'objet A comme effet de discours capitaliste. C'est-à-dire qu'on est aux prises avec une pluie d'objets. C'est une promotion en masse de l'objet.
On appelle ça objet A du désir, mais c'est un désir insatiable, toujours renaissant, qui développe le désir pour l'objet nouveau. Et l'angoisse peut surgir si on ne l'a pas. Les nouvelles, les infos en sont un exemple. Elles sont devenues elles-mêmes des objets à consommer. Il y a une prolifération des chaînes de télévision et des journaux avec l'Internet et des sites, des blogs, les réseaux. Il n'y a plus un journal télévisé, mais des alertes, des informations, des commentaires, des images, des vidéos, tous en concurrence les uns avec les autres. Et s'il y a autant, c'est parce que nous sommes avides de ces infos. Nous les consommons, jamais satisfaits. Il y a même un mot pour ça, que j'ai trouvé sur le web d'ailleurs, infobésité. En tout cas, tout le monde, y compris les points de vue les plus extrêmes, trouve aujourd'hui un relais et obtient une part de voix dans le débat public. Il n'y a plus une vérité publique sur laquelle les médias s'accordent et qu'ils répètent, mais une infinité de points de vue diffusés dans une accélération inédite. L'ère de Walter Cronkite. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Walter Cronkite, le journaliste américain célèbre qui terminait chaque journal télévisé en disant avec une grande autorité « Et c'est ainsi les choses. That's the way it is. C'est derrière nous. Il n'y a plus de vérité une, c'est-à-dire une seule vérité pour nous orienter. Ce qui caractérise plutôt la période historique dans laquelle nous sommes, est ce que Lacan a appelé en 68 l'évaporation du père. C'est un ébranlement majeur de l'ordre symbolique. Dans cet ordre, le garant était le nom du père qui représentait la loi, l'organisation des catégories et l'existence des binaires tels que vrai et faux. Tout ça s'est évaporé. Nous vivons actuellement l'ère du continu. C'est-à-dire les frontières entre catégories se brouillent et se révèlent d'ailleurs comme pur semblant. Cette disparition progressive du binaire vrai-faux, soit la séparation entre fait objectif et opinion, nous amène à la post-vérité. C'est comme ça que c'est défini sur l'Internet. C'est quand les faits objectifs ont moins d'influence pour modeler l'opinion publique que les appels à l'émotion et les croyances personnelles. Les débats sont orientés par l'émotion, non pas par les faits. Polémiques, faits divers, images chocs, voyeurisme, micro-trottoirs, télé-réalité. À l'ère de multimédia, nous assistons au triomphe des émotions. C'est la victoire des affects sur l'opinion fondée en raison. Aux États-Unis, il y a même une partie de la population qui se méfie des faits, qui se méfie du savoir. Dans certains milieux, l'ignorance devient une vertu. En tout cas, dans cette inondation d'informations qui entre en concurrence perpétuelle, c'est à charge pour l'individu consommateur des infos de choisir sa vérité préférée. Si c'est ça la post-vérité, il s'agit des affects. Alors ça touche le corps. Cette croyance personnelle devient le résultat d'une décision personnelle arbitraire prenant ses racines dans le corps. Prenons par exemple Trump, malheureusement. Comment fonctionne-t-il? Il ne fonctionne pas du tout sur une logique d'analyse politique, il fonctionne sur une logique de télé-réalité, non seulement au niveau de l'émotion qu'il provoque, mais aussi en ce qui concerne son marketing de lui-même, c'est-à-dire il est prêt à dire n'importe quoi, des mensonges pour protéger sa marque, c'était dit hier par sa propre administration. Il fait le business d'émotion. On est choqué. Déjà, il nous attrape par l'objet regard, par cette chose sur sa tête, mais aussi avec sa voix, des choses fausses, des phrases violentes, des remarques odieuses. Et en faisant, il n'arrive pas de nous surprendre et nous captiver. Nous sommes même demandés de réagir viscéralement, d'agir au niveau du corps. Par exemple, sa conseillère la plus connue, Kellyanne Conway, elle explique comment comprendre Trump au moment où il a eu des remarques extrêmement ingrates à propos d'un journaliste handicapé. Si vous en souvenez, il imitait les gestes de cette journaliste. Et elle explique, quand on est outré, Kellyanne Conway explique le mode d'emploi en fait. Pourquoi donc vous sentez-vous obligé de prendre au mot tout ce qu'il dit le président? Vous ne pouvez pas lui accorder le bénéfice du doute lorsqu'il vous dit
ce qu'il y a dans son cœur? Vous vous référez toujours aux mots qui sortent de sa bouche, plutôt que de regarder ce qu'il y a dans son cœur. Quand les mensonges sont qualifiés de hyperboles véridiques, comme il a écrit, quand les manipulations des faits sont appelées des faits alternatifs, quand les milliers de personnes pendant la campagne de Trump chantent ensemble « Hillary en tôle, chopez-la par la chatte », on n'est plus dans la civilisation comme Freud l'avait défini, la civilisation qui impose à chaque personne la renonciation de la satisfaction de ses pulsions. Au contraire, ici, la pulsion, c'est la pulsion qui gagne. Ce n'est plus une question de vrai ou de faux, d'éducation ou d'ignorance. C'est une question d'affect au sens de ce qui meut un corps vivant, de ce qu'il se découvre éprouvé. Donc mon hypothèse, c'est que cette fausse vérité n'est pas du registre de l'imaginaire, ce n'est pas de la fiction, c'est du registre de la pulsion, c'est du réel. Nous le voyons aujourd'hui incarné par la colère, la rage, la haine et par le racisme aussi comme réponse aux États-Unis au mouvement de Black Lives Matter et en Europe comme réponse à l'immigration. Comment contrer cette puissance? Bon, j'ai mes idées, j'ai mes questions pour vous à propos de ça, mais on verra tout à l'heure. Merci Pamela. Oui, nous devons parler ce soir de démocratie et médias. Et le philosophe va tout de suite se demander qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces deux mots? Qu'est-ce qui circule entre ces deux mots? Démocratie d'un côté et médias de l'autre. Et il lui vient tout de suite à l'idée que, en tout cas, ce qui circule, c'est le mot opinion. C'est le mot « opinion » parce que la démocratie est souvent définie par le fait que c'est un régime dans lequel il y a une liberté d'opinion. Et du côté des médias, on peut dire que les médias sont un moyen d'expression et de discussion des faits et des opinions. Donc, « opinion » est un mot qui circule entre démocratie et médias depuis très longtemps, puisque la discussion de ce mot « opinion » commence avec Platon, quatre siècles avant notre ère. Donc nous traitons ce soir une très vieille question, et non pas une question qui vient d'apparaître. Alors, une fois qu'on a dit cela, on s'aperçoit qu'on entre tout de suite dans des difficultés. On entre tout de suite dans des difficultés parce que, tout d'abord, que signifie exactement liberté d'opinion? Si l'opinion, c'est ce que croit et pense quelqu'un, il sera bien difficile de l'empêcher de le penser et de le croire. Après tout, si l'opinion reste à l'intérieur du sujet, elle est un peu inaccessible. Sauf à procéder contre lui parce qu'on sait qu'il a cette opinion des mesures criminelles. Donc la liberté d'opinion, il faut que ce soit un peu autre chose que simplement la liberté d'avoir une opinion. Et donc la liberté d'opinion, c'est en réalité la liberté de communiquer son opinion. Il faut être précis, parce que ça n'est pas la même chose. Et la liberté de communiquer son opinion, ça nous amène tout de suite aux médias. Parce que si vous voulez communiquer votre opinion, eh bien vous devez utiliser un moyen de communication de l'opinion qui va depuis votre parole que vous adressez à quelqu'un jusqu'à ce qui nous rassemble ici, les journaux, les médias, les grands médias modernes. Donc vous voyez, d'abord, une précision, liberté d'opinion, c'est liberté de transmission et de communication des opinions, sinon ça n'a guère de sens. Et donc, en effet, ça aboutit tout de suite à l'examen des moyens par lesquels se transmettent, se communiquent et se diffusent les opinions. Et donc, nous sommes dans le bon endroit pour discuter le problème de la liberté d'opinion.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que... Que signifie, à ce moment-là, liberté d'opinion et à quelles conditions existe cette liberté? Alors là, il y a un problème considérable. C'est que chacun peut avoir la liberté des opinions, de ses opinions, mais il n'est pas vrai que chacun dispose des mêmes moyens de la communiquer ou de la transmettre, son opinion. Là, nous pouvons avoir des inégalités considérables. Nous pouvons avoir des gens qui ont des moyens énormes de communiquer leur opinion et d'autres qui n'en ont presque aucun. Et ça nous conduit à un problème tout à fait essentiel dans la démocratie, qui est le rapport entre liberté et égalité. Parce que, en réalité, si vous avez de grandes inégalités, il est un peu faux de dire que tout le monde a les mêmes libertés. Quelqu'un qui dispose de moyens héréditaires considérables, d'une grande fortune, qui a acheté les actions de plusieurs journaux, ses moyens de diffuser ce qu'il pense sont bien plus considérables que celui d'un jeune homme de provenance étrangère qui, dans une cité, est en train de chercher du travail. On a souvent considéré qu'on pouvait séparer la liberté de l'égalité, c'est inexact. Sur la question qui nous occupe directement, la question des opinions, on ne peut pas séparer la liberté de l'égalité. Deux personnes qui n'ont pas les mêmes moyens n'ont pas les mêmes libertés d'opinion. C'est une évidence matérielle. Et quand des gens bien installés dans la société proclament qu'ils sont des chauds partisans de la liberté d'opinion, il faut leur faire remarquer qu'ils ont peut-être une conception et des moyens de cette liberté que d'autres gens n'ont absolument pas. Donc, la question politique qui surgit tout de suite, dès qu'on examine cette question de la liberté d'opinion, c'est la solidarité profonde entre liberté et égalité. Et je crois que nous sommes en droit de soutenir que quiconque considère que les inégalités sont naturelles et indépassables. C'est-à-dire que quiconque considère qu'au fond, la société a besoin des inégalités, ce qui est très souvent défendu et expliqué dans le monde social et politique, nous sommes en droit de lui dire que c'est un faux partisan de la liberté d'opinion. Voilà. C'est-à-dire que c'est un partisan de la liberté d'opinion sans l'examen des conditions matérielles de ce que ça veut dire, à savoir sans l'examen des moyens disponibles pour faire active, pour rendre active cette liberté. C'est donc le premier problème. Je pense que si on veut établir une vraie relation entre démocratie au sens de la liberté d'opinion et les médias, on tombe immédiatement sur de redoutables questions concernant l'égalité. Et sur les médias, en particulier, sur y a-t-il égalité du point de vue des médias eux-mêmes? Et là, nous savons qu'aujourd'hui, cette égalité est extrêmement menacée. Est extrêmement menacée pour la raison que les plus grandes fortunes françaises sont en train d'acheter tous les journaux existants. C'est une chose extraordinaire et très impressionnante, puisque la liberté d'opinion en France a été une des grandes revendications de la période qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale. Dans la Deuxième Guerre mondiale, on a essayé de corriger ce qui existait avant la dernière guerre, c'est-à-dire une presse quand même aux ordres de l'oligarchie économique et financière. Et on a essayé de créer des lois, des dispositifs qui aboutissaient quand même à la possibilité d'une existence d'une presse un peu variée, d'une presse qui reflétait un peu la différence des opinions. Mais petit à petit, ce système mis en place dans les années de la Libération a été attaqué, corrompu, il faut le dire, et on est arrivé, en réalité, à une inégalité massive dans la capacité à transmettre les opinions. Et c'est parce que la liaison entre liberté et égalité n'a pas été longtemps maintenue. On est revenu à l'idée que les puissances financières pouvaient s'emparer de toute une série de médias, et il y a eu des aventures journalistiques tout à fait extraordinaires.
je n'en citerai qu'une. Ici, vous connaissez très bien la question des journaux indépendants dont nous parlerons ensuite. Mais prenez l'exemple du journal national Libération. Voilà un journal qui a été créé dans l'élan du gauchisme après mai 68. Un journal qui a fait sa propagande sur le fait qu'il était un journal totalement indépendant, exprimant les idées de l'émancipation, de la révolution, etc. Il est aujourd'hui sous les ordres de M. Drahi, c'est-à-dire d'une des plus grandes fortunes françaises dans le CAC 40, et il est logé, je le sais parce que j'y suis allé, il est aujourd'hui logé dans un grand consortium situé dans la banlieue parisienne, où sont rassemblées toutes les possessions de M. Drahi. Et juste à côté, d'ailleurs, de Libération, il y a l'Express, puisque M. Drahi n'était pas contenté de Libération, il a aussi acheté l'Express. C'est une manie des grandes fortunes, d'ailleurs, d'acheter un quotidien et un hebdomadaire. Ils adorent ça. Hein. M. Niel a fait la même chose, il a acheté Le Monde, mais il a acheté aussi l'Observateur. Voilà. Et donc, vous voyez que dans ces conditions, la liberté d'opinion et le lien le plus élémentaire entre démocratie et médias se trouve véritablement rompu. Alors, la conclusion de cet unique point, c'est-à-dire la démocratie comme définie par la liberté d'opinion et sa conséquence sur les médias, doit nous pouvons en tirer deux leçons. La première, c'est que, y compris à ce seul niveau du mot démocratie, savoir liberté d'opinion, la démocratie a bien d'autres définitions, mais à ce seul niveau, nous devons maintenir la nécessité absolue d'une liaison entre liberté et égalité. Et sinon, en réalité, la liberté d'opinion est une fiction, parce que il y a des inégalités de communication et des opinions qui sont littéralement monstrueuses. C'était le premier point sur lequel je voulais intervenir. Le deuxième point, c'est que une opinion, après tout, et la liberté d'opinion, ça n'est peut-être pas tout à fait un concept clair. D'abord, vous savez que liberté d'opinion entraîne immédiatement, en réalité, le fait que quantité d'opinions sont interdites. Ce n'est pas vrai qu'il y ait une liberté complète des opinions. Dans notre pays, par exemple, et on peut être tout à fait partisan de ce point, mais il y a toute une série d'opinions qui sont interdites par la loi. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir comme opinion la remise en cause du génocide du peuple juif par les nazis pendant la dernière guerre mondiale. Et il y a une série d'autres interdits. Votre liberté d'opinion ne vous permet pas de calomnier publiquement votre voisin ou de lui imputer des vices qu'il n'a pas, etc., etc. Donc déjà, la liberté d'opinion est un concept dialectique, au sens précis, c'est-à-dire il inclut un certain nombre de négations. Et si on s'intéresse à la liberté d'opinion, le premier point, c'est qu'on doit s'intéresser à l'égalité, j'ai dit pourquoi. Le deuxième point, c'est qu'on doit s'intéresser à ce que sont exactement et comment sont décidées les limites de la liberté d'opinion. Quels sont les concepts qui interviennent là? Pourquoi tel épisode historique est interdit et pas un autre, etc. Je pense, par exemple, c'est une suggestion, que beaucoup de choses concernant le racisme flottant, appelons-le comme ça, c'est-à-dire le racisme ordinaire, la capacité de dire du mal des gens parce qu'ils sont des étrangers ou des gens qu'on ignore, n'est pas traité de la même manière que d'autres interdits concernant les opinions. Je pense aussi que des épisodes historiques entiers sont frappés d'une prudence quant à ce qu'on peut en dire et d'autres pas. Je pense par exemple que dans un pays comme le nôtre, l'ensemble des crimes commis dans l'espace du colonialisme ne font pas l'objet d'une propagation, d'une circulation et d'une discussion, ce que leur État devrait demander. Des opinions circulent concernant tout ça, qui sont tout à fait fallacieuses et nuisibles, et qui, en même temps, sont véhiculées par des grands moyens d'information. Mais c'est ma deuxième remarque. La notion d'opinion elle-même ne va pas sans une discussion concernant des limites nécessaires de la liberté. Mais dès que vous introduisez des limites dans la liberté, il faut savoir comment ces limites sont introduites, par qui et dans quel but.
et comment on cherche à masquer certaines histoires et à en révéler d'autres dans un désordre politico-idéologique d'autant plus grand qu'il n'y a pas égalité, justement. Et donc les groupes sociaux ne sont pas dans la même position s'ils veulent défendre ce qu'on et se battre sur ce qu'on dit d'eux, sur comment on les traite, comment on les décrit, etc. Et il y a eu, dans toute l'histoire des démocraties et des républiques, il y a eu des groupes qui étaient stigmatisés, c'était une libre opinion de les stigmatiser, et d'autres qu'on ne pouvait pas stigmatiser, et il y avait de nouveau une inégalité dans le mécanisme de l'opinion elle-même. Donc ça, c'est le deuxième point. La liberté est liée à l'égalité. Et le deuxième point, la liberté est forcément limitée, mais qui la limite? Dans quelles conditions de discussion sont introduites ces limitations de la liberté d'opinion? Et puis, finalement, le troisième point qui se lie à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est quel est le mode de production des opinions? Parce qu'après tout, c'est vrai que opinion ne veut pas dire vérité ou savoir. Opinion, c'est strictement ce que des gens pensent. Alors, ce que les gens pensent, il est tout à fait légitime que ce soit aussi libre que possible, et que même que la transmission de ce que les gens pensent trouve des moyens requis. Enfin, ça ne nous dit pas, ça ne nous avance pas beaucoup sur le rapport entre ça et la vérité, le savoir, les choses instruites, les preuves, les documents, etc., qui valident une opinion de façon objective. Ce n'est pas parce que vous avez une opinion que cette opinion est juste. Ça ne peut pas tout de même aller jusque-là. Donc il y a des opinions fausses et il y a des opinions moins fausses. Alors là se pose la question de savoir quel est l'appareil qui, socialement, trie plus ou moins, diffuse plus ou moins cette distinction entre les opinions manifestement fausses, ou en tout cas des opinions aventurées, guère prouvées, et puis des opinions qui sont quand même des opinions solidement établies à partir de faits reconnus d'arguments solides. Or ça met quand même en partie la question des opinions sous la garde de processus qui sont éducatifs. Et c'est mon troisième point. Égalité, ça c'est une question politique. Deuxièmement, limite, c'est une question étatique, une question de règles. Et puis, troisièmement, cette dépendance des opinions à l'éducation, c'est-à-dire à l'information au sens général. Et au fond, une grande question qui se pose à tout un chacun de notre société, c'est avec quels instruments peut-il faire le tri des opinions qui circulent ? Et selon quelle méthode? Et là, je crois qu'on ne peut pas éviter de considérer le point suivant, qui va nous ramener d'ailleurs aux inégalités. C'est que des opinions peuvent parfaitement être dominantes parce qu'elles correspondent à des intérêts dominants. Ça, c'est une chose absolument assurée, hein. Et que donc, si on ne prend pas garde à ce point-là, on va confondre le caractère établi et fort d'une opinion avec sa vérité, alors qu'en réalité, ça n'a pas de rapport direct avec sa vérité, malheureusement, mais ça a beaucoup de rapport avec la puissance, les moyens disponibles de celui qui propage cette opinion plutôt qu'une autre. Et donc, l'éducation, dans ce cas-là, c'est une éducation qui doit être telle qu'elle met en garde l'opinion publique contre les inégalités d'opinion résultant des positions de pouvoir. Ça, on peut dire que c'est peut-être une des tâches essentielles de l'éducation civique au sens le plus large. Des opinions circulent, on ne va pas les empêcher de circuler. Elles circulent de manière inégalitaire, c'est déjà assez embêtant, et elles ne sont pas contrôlées ou contrôlables véritablement dès lors qu'on ne connaît pas les intérêts qu'il y a derrière. Lorsqu'une opinion est propagée, il faut aussi se demander qui elle sert, d'une certaine façon, et à qui elle va-t-elle profiter. Alors, il peut y avoir des opinions de caractère scientifique qui sont neutres, qui ne profitent à personne, mais il y a beaucoup d'opinions dont on peut voir très rapidement qu'elles profitent à quelques-uns, ce qui nous ramène à la question des inégalités, puisque ces opinions qui servent des intérêts dominants
vont aussi devenir des opinions dominantes. Elles vont devenir des opinions dominantes par la force matérielle de propagation et d'argumentation qui est la leur, et notamment la possession directe d'un certain nombre de médias pour rester dans notre sujet. Et donc, je pense que les trois grandes questions qui peuvent nous occuper aujourd'hui sont, premièrement, la question de l'égalité, qui, au niveau des opinions, est une question, à mon avis, fondamentale, parce qu'il peut y avoir une production énorme d'opinions aliénées et fallacieuses pour la seule raison de l'inégalité de la circulation des opinions. Le deuxième, c'est la question de la décision à prendre sur la limite des opinions. Qui et comment décide qu'une opinion est illégitime ? En tout cas, la circulation de cette opinion est illégitime. Et troisièmement, la question de l'indépendance de l'éducation au regard des intérêts dominants. Parce que ce n'est que l'indépendance de l'éducation par regard des intérêts dominants qui peut habituer les gens à se demander, à se poser la question à qui sert telle ou telle opinion, au service de qui est-elle. Et si on observe ces trois questions de façon attentive, on a, à mon avis, sur le rapport entre démocratie et médias, la possibilité d'actions intéressantes, de construction de médias indépendants, de discussions politiques sur tout ça, dans un climat qui reste un climat aussi rationnel que possible. Voilà ce que je voulais vous dire pour commencer. Merci Alain pour cet éclairage politique. Et maintenant, place à la presse. Oui, bonjour. Au fil des deux interventions, il y a une intervention qui m'est apparue. On a souvent, depuis une vingtaine d'années, identifié quelques dérives qui sont apparues dans le milieu médiatique à des personnes. On a eu dans les années 80, y compris en France, tout le phénomène Berlusconi qui a déferlé sur l'Italie et aussi en France. Et aujourd'hui, on parle de Trump aussi comme une sorte de phénomène nouveau. Et là encore, on personnifie un phénomène à une personne. Mais est-ce que, j'aurais voulu vous poser la question, est-ce qu'en fait ce phénomène, il n'est pas beaucoup plus pernicieux et invisible que ce qu'on pourrait croire? Et est-ce qu'en fait ce type de personnage ne serait pas des sortes d'épouvantails qui cacheraient une réalité beaucoup plus grave et invisible? Ben oui, je crois que Trump, c'est symptomatique justement de ce qui ne va pas aux États-Unis. C'est le paradigme justement de ce problème de qu'est-ce qui est vrai, pas vrai, etc. De cette... on est poussé vers une espèce de non-sens. Et lui, il le manifeste tous les jours avec ses tweets complètement aléatoires. Et le pire, c'est qu'au Congrès, les républicains, ils n'arrêtent pas cet homme. Et c'est un exemple aussi de comment aux États-Unis, nous n'avons pas mis des limites à notre notion de liberté, comme vous disiez, Alain Badiou. Pour nous, la liberté est tellement importante, c'est une idéologie tellement essentielle. Il y a, par exemple, sur la plaque d'immatriculation de l'État de New Hampshire, vivre librement ou mourir, tellement c'est important, que nous amenons ça jusqu'à sa limite, même au-delà de sa limite, et ça devient absurde, et on devient prisonnier de nos propres bêtises. Un parfait exemple, c'est Fox News. Ça devrait être illégal. Dans d'autres pays, ce genre de mensonge qui influence un énorme pourcentage de la population américaine devrait être illégal. Là on n'a pas de limite. Donc Trump, il représente ça parfaitement.
Oui. Alors, ce que j'ai envie de dire, moi, je partage tout à fait votre analyse sur les médias français, parce que c'est un phénomène qui est quand même relativement français, de cette espèce de main basse des grands industriels sur les grands journaux, sur les grands titres. Et je la partage d'autant plus que je la vis de l'intérieur. Enfin, je ne travaille pas dans ces titres-là, mais en tant que journaliste, je partage ça. Et je me dis que justement, c'est peut-être une chance, parce que quand la manipulation devient trop patente, qu'elle est trop évidente, les gens réagissent. Alors, dans un premier temps, à l'intérieur de ces journaux rachetés par des industriels, où on a vu les rédactions s'organiser entre elles avec des chartes, avec des garde-fous pour se protéger du patron, on sait que ça a ses limites. Hein. On a bien vu ce qu'a fait Bolloré avec iTélé, quand il voulait plus être contesté, il a fait en sorte de saborder sa télé, il a mis tous les journalistes à la porte et il a changé le nom ensuite en CNews. Et il a fait ce qu'il a voulu. Donc, on sait très bien que le rapport de subordination d'un salarié à son patron est quand même très fort et que pour aller contre, c'est difficile. Mais les journalistes essayent quand même. Ils ont au moins ça. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'à l'extérieur de ces journaux-là, ces grands journaux, on voit de plus en plus apparaître des initiatives où les journalistes retrouvent la fonction première du journaliste que vous disiez tout à l'heure, le travail de transmission d'une information, puisque c'est ça un journaliste, hein, c'est quelqu'un qui travaille sur l'info. Et une fois qu'on a eu cette technologie qui a du bon et du mauvais, mais qui est assez fantastique, Internet, qui permet aux gens de créer des médias sans énormément de moyens, et on rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, on squeeze le problème de l'inégalité, justement. On voit apparaître de plus en plus, dans le sillage de Mediapart, qui a été une sorte d'éclaireur, on voit apparaître énormément de sites Internet, de journalistes qui reprennent leur métier à la base, et qui le font différemment, avec des enquêtes au long cours, avec des choses poussées. Et on voit se mettre en place une sorte de contre-feu. Et je reviens à notre débat, c'est-à-dire que la démocratie et la liberté d'expression des médias sont quand même toujours liées. Et si on est encore en démocratie, c'est peut-être parce que ces journalistes-là et ces médias-là nouveaux continuent à faire un travail de journaliste. Oui, moi je salue absolument évidemment les tentatives, les efforts et les réussites aussi de reconstituer à tout moment une presse indépendante par rapport à cette colonisation journalistique par les grandes puissances capitalistes. Cependant, je ne voudrais pas que ça serve aussi d'alibi ou d'excuse pour la situation au niveau des grands médias. On le a souvent vu dans l'histoire, il y a un petit secteur qui est indépendant, qui sauve l'honneur, mais en réalité, du point de vue des rapports de force généraux, la situation reste celle d'une aliénation essentielle, malgré tout, des grands médias. Il y a un point très important aussi dans l'opinion qui est que le journalisme, ce n'est pas seulement la transmission des informations, c'est une tâche fondamentale, mais c'est aussi la sélection des informations. Parce que c'est dire aux gens qu'est-ce qui est considéré comme important ou moins important. Or, selon le regard que vous avez sur la société, selon votre point de vue politique, ce ne sont pas les mêmes choses qui sont importantes pour les dirigeants de grandes sociétés, pour les animateurs d'un parti favorable à l'émancipation. Ce ne sont pas les mêmes informations. Parce qu'une petite information localisée, mais qui est très intéressante du point de vue de sa valeur d'exemple sur justement l'égalité ou sur les normes qui sont les nôtres, peut être à un moment donné très important de la diffuser si on est de ce bord-là, alors que les autres feront plutôt tout pour l'enterrer. Hein. Et donc, or, la puissance de sélection des informations, elle dépend aussi de l'étendue et de la capacité, de la force du réseau de collection des informations que vous avez. Et donc aussi, comme les choses sont de plus en plus au niveau international, des réseaux que vous êtes capables de constituer pour collecter cette information. Or, qu'on le veuille ou non, tout ceci, c'est aussi une question, à la fin des fins, il y a un seuil, il y a un moment où c'est une question de moyens matériels aussi, il faut dire les choses comme elles sont. Et donc,
on retombe quand même sur l'intervention de l'inégalité constitutive de nos sociétés dans cette affaire, qui d'une certaine façon devrait être combattue frontalement. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment que soit organisé un débat général sur... là, je vais parler philosophie. Un débat général sur le lien entre liberté et égalité. Parce qu'une société qui se vante de la liberté peut parfaitement se vanter, en réalité, d'une liberté inégalitaire. Elle peut même dire la liberté, c'est avant tout la liberté d'entreprendre et de posséder. Vous pouvez défendre cette idée-là. Elle est souvent mise en avant. Après tout, pourquoi la liberté ne serait pas la liberté d'être riche, les pauvres riches? On ne va pas leur retirer leur liberté, tout de même. Hein ? Et, évidemment, le prix à payer pour la liberté d'être riche, c'est la nécessité d'être pauvre. Il n'y a pas symétrie. C'est-à-dire, quand vous dites que la liberté d'être riche est une nécessité pour le développement économique, etc., parce que c'est la loi du profit, et alors, si nous faisons payer des impôts à ces pauvres gens riches, n'est-ce pas, ils vont investir ailleurs, ils vont partir en Angleterre, etc., vous êtes en train de dire quand même, du point de vue de la démocratie, que vous acceptez que la liberté, et en fin de compte la liberté d'opinion, travaille dans un sens déterminé. C'est pour ça que je crois que la question du rapport entre démocratie et médias est une très importante et très vive question, parce qu'elle met tout de suite en évidence, malgré tout, la fonction subjective, la fonction de poids sur les opinions des inégalités constituantes de la société capitaliste contemporaine. En particulier, ce point est d'autant plus sensible que, disons les choses comme elles sont, la propagande, disons au sens large, anticommuniste, c'est toujours alimenté de l'idée que le communisme était hostile à la liberté. Et on dit couramment que ça a échoué, que ça s'est écrasé, parce que ça n'a pas assez respecté la liberté. C'est pour une part vrai, mais ça permet une exaltation unilatérale de la liberté et le passage de l'égalité à la trappe. C'est quand même ça que ça autorise à un niveau très général de la propagande. Or, dans toute la tradition révolutionnaire et politiquement émancipatrice depuis la Révolution française, le point essentiel n'est pas de parler de liberté en l'air, comme ça, parce que ça peut être vraiment la liberté des oppresseurs, ça peut être la liberté des riches, ça peut être la liberté des gens qui possèdent des capitaux, et en fait, cette liberté n'est en rien égale à la liberté d'un autre. Hein, la liberté du puissant, elle a un contenu et un champ que n'a pas la liberté du faible. Ça, c'est un fait. Donc l'égalité en tant qu'égalité des libertés, elle suppose une égalité réelle et pas une égalité uniquement juridique et fictive. Et donc si on ne respecte pas ce point-là, la question de la presse, la question de l'opinion est asservie à un motif unilatéral de la liberté. Et la liberté d'opinion, c'est en réalité la liberté de l'opinion dominante, d'abord. Et après, éventuellement, avec quelques niches pour les autres figures de la liberté. Aujourd'hui, il existe extrêmement peu de journaux indépendants. Il en existe quelques-uns, nous le savons ici, mais il en existe extrêmement peu. Et ils ont de graves difficultés. Ils ont de graves difficultés. Alors, si nous débattons de ça à partir d'une analyse rigoureuse de la liberté d'opinion et aussi de la fonction éducative que doivent avoir les grands médias sur la question de la sélection des points importants, des points moins importants et de l'égalité véritable, nous verrons que, à moi, c'est ma conviction, il ne peut pas y avoir de presse réellement libre dans une société violemment inégalitaire. Je ne le crois pas. Il peut y avoir des îlots de presse libre, mais une presse libre éducative, fonctionnant au niveau général, on ne peut pas l'obtenir. On ne peut pas l'obtenir. Et c'est un fait très grave. C'est un fait très grave parce que, du coup, la propagation des opinions dominantes crée un flot continu, puissant, et le combattre, eh bien, est extraordinairement difficile, même si
beaucoup de bonne volonté s'y emploie, ça, et beaucoup d'idées nouvelles apparaissent. C'est pour ça que la question de la presse, c'est une question politique au sens fort. C'est-à-dire, c'est pas simplement la question de savoir quelle politique défend tel ou tel journal, ou pour qui les journaux disent qu'il faut voter. C'est une question plus fondamentale. C'est une question qui est qu'une vraie presse a toujours été liée à un certain rapport entre liberté et égalité. Il n'y a pas le moindre doute. Et si on fait l'histoire de la presse depuis les premiers journaux révolutionnaires de 1789-90 jusqu'à nos jours, on voit que c'est comme ça. Et la meilleure preuve, c'est que dans l'époque où, après la Libération, on a essayé de transformer réellement la situation de la presse, que les journaux d'avant-guerre étaient des journaux très corrompus, hein, dans leur écrasante majorité, très, très, très soumis à la dictature financière, on a essayé de rétablir. Comment on a rétabli? En essayant de faire, par intervention de l'État, de la collectivité, etc., etc., un minimum d'égalité se reconstitue entre les journaux des différentes tendances. C'était ça le but. Eh bien, ça prouvait bien que, dans ce moment-là, parce que le rapport des forces politiques le permettait, parce que, en réalité, les forces issues de la résistance étaient des forces largement démocratiques et que les forces de la finance avaient collaboré avec Pétain et étaient donc sévèrement discréditées, ben, dans ce rapport de force-là, on a pu relancer quelque chose comme une liberté de la presse. Nous sommes un certain nombre de décennies après et nous sommes en train de revenir à la situation de la presse avant la guerre. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et donc, il faut que tout le monde considère comme une cause véritable de réexaminer la question des médias, la question de la presse, à la lumière de la relation entre liberté et égalité, parce que c'est son histoire et c'est sa condition. Permettez-moi d'être un peu enthousiaste sur ce point. Juste une toute petite remarque par rapport à ça. En creux, j'entends dans ce que vous dites que, et je partage encore une fois votre analyse, j'entends que le journalisme reste encore aujourd'hui un métier où un jeune homme peut investir de l'idéalisme, de l'envie de faire quelque chose et de s'investir. Donc je trouve que c'est très bien. Je suis tout à fait d'accord. Le journalisme, dans son acception la plus haute, la plus généreuse, est quelqu'un qui c'est en réalité un éducateur de l'opinion. Et ça ne veut pas dire que c'est une presse de propagande. Ça veut dire que le choix de ce qui est important ou pas important, le commentaire attentif et scrupuleux des faits, les arguments soumis à discussion, devraient être la loi du journalisme. Mais là, aujourd'hui, vous prenez n'importe quel des grands journaux, ils racontent les mêmes blablabla. C'est tout. Je me demande si la désaffection de la population pour la presse telle qu'elle existe aujourd'hui ne peut pas être mise en parallèle avec la désaffection de la population pour le politique. Pourquoi les gens n'achètent plus de journaux? Pourquoi les gens ne vont plus voter? Et je crois que c'est vraiment une question que l'on doit se poser de manière profonde, et peut-être que la même réflexion est portée, où on entend tous les mêmes, à propos de la presse et aussi à propos du politique. Et donc c'est bien là-dessus où il y a besoin de renverser, donc de mettre l'effort, c'est ce que tu disais, de mettre l'effort et de reprendre ce combat pour qu'il y ait une vraie information, pour qu'elle soit à nouveau intéressante pour celui qui a envie de vivre sa vie. C'était le débat tout à l'heure au lycée Saint-Charles. C'est de quelle envie, de quelle information avons-nous besoin et envie? Est-ce qu'on accepte d'être gavé par les chaînes de télévision, ou bien on accepte de passer du temps à lire des journaux et à s'informer véritablement? Mais ça, c'est peut-être à vous tous d'y répondre. Moi, je ne fais que poser des questions. Ou vous qui êtes bien sagement attentifs à tout ce qui est dit à la tribune. Oui, merci. J'avoue que je reste un peu sur ma faim. Je
reste un peu sur ma faim. Et après l'intervention du monsieur qui est à ma droite, à la côté jardin, là, non, côté court, excusez-moi, côté court, oui. Je reste sur ma faim parce que lorsque vous avez parlé de Mediapart, d'Internet, j'ai pensé évidemment à tout cet autre aspect qui n'est pas abordé du tout dans votre intervention, monsieur Mathieu. Et alors que, bon, tout ce que vous avez dit sur l'opinion, limite de l'opinion, la question de la liberté, sont des questions absolument essentielles. Mais est-ce que tout ce qui se passe actuellement, l'ouverture de ce qu'on appelle les réseaux sociaux, n'est pas en train de modifier complètement le paysage de la presse, de la circulation de l'opinion? Et moi, j'ai le sentiment d'entendre autour de moi quand même un certain nombre d'idées comme ça qui circulent, comme si tout ce qui se passe, je pense à Facebook par exemple, permettait d'évacuer justement cette pression qu'il y a sur la presse en général. Voilà. Il me semble que quand même on est rentré dans un dispositif complètement nouveau. Dans un dispositif complètement nouveau. Oui, je suis pas, moi je ne suis pas absolument convaincu par l'idée générale de la révolution numérique, à vrai dire. C'est peut-être un désaccord entre nous. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait un bouleversement fondamental du point de vue général du mode de constitution des opinions et du rapport entre liberté et égalité. D'une certaine façon, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un affaiblissement de l'importance dirigeante de la presse écrite. Ça, c'est évident. Mais ça a commencé, ça, avec la radio d'abord, puis avec la télévision. Et ça se continue, en effet, par les sources particulières que présente Internet. Ce qu'on a vu apparaître sur Internet progressivement, c'est tout de même des dispositifs dont les possesseurs sont les plus grandes fortunes planétaires. Ça, c'est un fait. Google, Facebook, etc., c'est des capitalisations géantes. Y a-t-il aucun rapport entre l'existence de ces nouveaux procédés d'échange et le fait qu'ils aient créé des capitalisations aussi colossales? J'en doute fort. Partout où se constituent des puissances financières de cet ordre, le processus qu'elles dirigent va dans leur sens d'une manière ou d'une autre. Donc moi je crois que dès à présent, en dépit du caractère individualisé, morcelé, etc. de la chose, le processus d'ensemble de l'économie numérique est en train de suivre la loi nécessaire et fatale de la concentration du capital. Et ça, on peut le voir à très grande échelle, parce que se sont constitués en un temps record, à partir de petits groupes initiaux d'aventuriers du numérique, de véritables colosses des marchés boursiers. Donc même là, il y a une appropriation, pour l'instant un peu nouvelle, c'est tout à fait vrai, mais il y a une appropriation des moyens de transit de l'information, de discussion, de constitution des opinions. Eh bien, il y a le support de cela, le support, mais le support c'est important, le support obéit aux lois de la concentration et de la capitalisation. Moi, j'ai vécu un épisode secondaire de ça, quand, dans les années 60-70, il y a eu un engouement libérateur et émancipateur pour ce qui s'appelait les radios libres. Mais si on fait le bilan aujourd'hui des radios libres, la plupart sont enchaînées. C'est ça la vérité. Et comment et pourquoi? Eh bien, parce que le processus économique sous-jacent reste le processus inégalitaire fondamental de la concentration et que les tentatives de faire ça à un niveau en quelque sorte plus artisanal, etc., sont tout à fait intéressantes et formidables, mais elles n'arrivent pas à survivre dans une concurrence de ce type-là. C'est comme, depuis le début du capitalisme, on a relancé périodiquement l'idée qu'on pouvait opposer au capitalisme des coopératives de production collective, etc. Ça se continue aujourd'hui. On peut être tout à fait partisan de ce système, mais il reste totalement minoritaire et il reste écrasé du point de vue des décisions générales par les grands monstres de la production planétaire. Je ne vois pas sur ce point de différence majeure entre l'économie numérique et l'économie papier, en réalité, à mon grand regret, d'ailleurs, parce que
le mode propre sur lequel le support finit par fonctionner est soumis exactement aux mêmes lois. Alors on dira, le support, c'est pas le contenu. C'est vrai, mais c'est aussi ce que racontent les propriétaires de journaux, après tout. Hein. Vous interrogez et messieurs Drahi et Niel et les rédacteurs en chef des journaux concernés, ils vous expliquent aussitôt, le propriétaire nous laisse absolument libres, nous faisons ce que nous voulons, c'est pas vrai que nous obéissons au propriétaire, il ne s'occupe pas du tout de nous, il nous laisse pleine liberté. On a envie de leur demander, mais pourquoi il a acheté si cher ce journal alors, finalement? C'est quoi? C'est un philanthrope? C'est pour l'amour de l'humanité? L'exemple de Laure Lancelin. Exactement. Bon, quand quelqu'un leur déplaît, ils le virent, c'est tout. Donc, il y a bien l'imposition, ils surveillent ça de manière assez générale. Effectivement, ils ne vont pas s'indigner pour tout ce qui se passe, article par article, etc. Mais il y a une ligne générale, et on le voit dans le journal à la fin des fins. On voit qu'il ne peut pas être dans une proposition stratégique qui s'opposerait frontalement à la position du propriétaire. Ah, voilà, je pense que la communication numérique par Internet, qui par ailleurs est aussi quand même un IARA de fausses opinions, opinions désastreuses, complotistes, fascisantes, etc., etc. Alors là, il y a l'égalité des cochonneries, bah, c'est une égalité très particulière, je ne vois pas de différence structurelle. Et à long terme, on va retomber sur les mêmes problèmes. C'est-à-dire, il y aura de grands supports numériques planétaires, et il y aura constamment des petites tentatives indépendantes, à capitalisation plus limitée, très intéressantes, et certaines ayant une certaine importance, une certaine bravoure. Mais la dialectique, à long terme, sera évidemment en faveur des premiers. Et tout ça parce que, d'une certaine façon, on ne met pas en cause directement le caractère égalitaire au niveau des supports. Et on ne le fait pas parce que c'est impossible à faire dans un régime capitaliste libéral, où vous ne pouvez pas empêcher que la loi fondamentale soit la concurrence. Et qu'une bonne petite start-up sympathique qui démarre avec quatre brillants sujets informatiques se retrouve deux décennies plus tard à la tête d'une fortune qui se compte en milliards de dollars, et même si en vérité il en emploie une partie à la philanthropie, etc., il n'est quand même pas du tout disposé à abandonner sa position dominante, absolument pas. Et du coup, voilà, c'est pour ça. Alors moi je pense que comme très souvent, je pense qu'il ne faut pas surestimer dans les phénomènes sociaux, l'importance pure de la technologie. Alors ça, c'est un autre débat. Je pense que la technologie, c'est une chose, mais l'appropriation sociale de la technologie, c'en est une autre. Et ça, notre bienheureux Marx en a déjà longuement parlé. Il y a eu des révolutions machiniques très importantes au 19e, il y a eu tout ce qu'on voulait, les trains, les presses. Ah, aujourd'hui, il y a le numérique. Mais regardons, suivons de près la capitalisation du numérique. Et nous verrons qu'elle ne produit pas de phénomène différent de ce qu'a été la capitalisation des radios, des grands systèmes de transport et des grands systèmes de production. C'est pour ça que je n'en attends pas une libération égalitaire des opinions. Oui, alors, justement, j'aimerais rebondir sur ces dernières paroles. Il y avait le camarade Lénine qui, lui, pensait que, effectivement, la poste et l'électricité, c'était effectivement l'avenir qui allait permettre de bâtir le communisme. Donc il était aussi dans la confusion que vous êtes en train de dénoncer. Du coup, je suis quand même à la fois ému et intéressé par la remarque qui a été faite à droite tout à l'heure sur le fait qu'on pouvait faire plein de choses et que du coup on pouvait entendre ce discours comme un encouragement. Hélas, j'ai l'impression plutôt que le discours qu'on entend, il aboutit toujours à la même conclusion. C'est-à-dire, quels que soient les efforts qu'on peut faire
ici ou là, pour essayer de se sortir du carcan au niveau des libertés qui sont empêchées, celles de créer quelque chose d'autre que le système capitaliste, à chaque fois, il y a une forme de récupération. Tout à l'heure, vous avez parlé de libération, qui était une tentative de sortir un peu de ce carcan, qui a ensuite acheté. Mais là aussi, vous avez parlé de Google, de Facebook, tout ça, mais avant Google et Facebook, il y avait effectivement un certain nombre de mouvements d'activistes libertaires qui pensaient qu'on allait créer une autre type de société à travers l'Internet. Et que là aussi, ensuite, il y a un accaparement, comme vous l'avez signalé, mais tout le monde s'en rend compte, un accaparement par ces grands groupes, à une échelle jamais vue d'ailleurs. Parce que tout à l'heure, quand on a parlé de Niel et de Drahi, ce sont des gens aussi qui ont fait leur fortune sur le numérique et ce qui ensuite ont pris les médias papier, etc., les médias traditionnels. Donc, tentative d'en faire un monstre beaucoup plus universel qu'avant. Bon, avec ces commentaires, ma question, c'est plutôt de dire, est-ce que finalement, on n'est pas toujours dans l'éternel retour? C'est-à-dire, comment on peut avoir espoir à chaque fois qu'on s'engage, si finalement la leçon que vous tirez, et qui sera tirée finalement par tous, si on suit ce raisonnement, c'est que fatalement, de toute façon, quoi qu'on fasse comme investissement personnel, quoi qu'on tente, les coopératives, les journaux indépendants, une espèce d'Internet qui serait libéré des contraintes habituelles, on finira toujours par la même conclusion. À quoi bon, donc, essayer d'inventer? Oui, mais parce qu'en réalité, l'invention décisive ne peut pas se situer sur le plan immédiat de tentatives de caractère économique. Voilà. C'est-à-dire que... Si vous tentez, dans un environnement mondialisé capitaliste, de créer un système de production alternatif sans préparation et sans soutien général, il y a de bonnes chances, en effet, que ça se termine comme les start-up de l'Internet. Donc finalement, la question est politique. La question est politique. Et pourquoi la situation là est extraordinairement affaiblie? Mais disons les choses comme elles sont, elle est affaiblie parce que l'idée communiste est affaiblie. C'est ça le problème. Et si j'entends par idée communiste, non pas la répétition des aventures qui ont déjà eu lieu dans le passé, mais sa signification originelle, à savoir l'appropriation effective de caractère collectif des moyens de production au lieu qu'ils servent à des capitalisations monstrueuses et privées. Alors, vous me direz, c'est-à-dire, il faut quand même partir de cette conviction. Si on n'a pas cette conviction, on n'aura rien, de toute façon. Parce qu'au départ, la contestation du capitalisme, elle ne peut pas être elle-même interne à la production capitaliste. Ça n'est pas possible, ça. Ça a été expérimenté 1000 fois, et ça recommence aujourd'hui avec les tentatives de petites productions bio et écologiques, etc. Et c'est très sympathique, tout ça. Mais ça finit toujours dans la sacoche des milliardaires à la fin des fins, d'une façon ou d'une autre. Donc le problème n'est pas là. Le problème est de créer une opinion différente. C'est ça le problème, c'est de créer une opinion différente. Alors vous me direz, pour ça, il faut peut-être des moyens de transmission différents. Oui, là, c'est vrai, il faut en effet essayer de déployer des moyens de transmission minimaux et d'organisation qui soit dans un anticapitalisme effectif, et ça a existé, après tout. Ça a existé. Et si une première tentative de ce genre a historiquement été affaiblie et vaincue, ça ne doit pas nous distraire de la nécessité de nous insérer dans la même tentative en tirant les leçons du passé. Parce que si nous ne faisons rien dans ce sens-là, on ne va pas se lamenter, effectivement, que les choses suivent leur cours. Et elles suivront leur cours jusqu'à quoi? Je vais commencer par un truisme, moi aussi. En fait, on sait que le pouvoir politique et le pouvoir médiatique est intimement lié. Et que c'est exactement le même pouvoir. Et que le pouvoir économique a reçu mission du pouvoir politique pour contrôler la situation. C'est-à-dire que non seulement ces gens sont chargés d'acheter les journaux, mais également de contrôler la liberté d'opinion, ça vous l'avez dit. Mais également de limiter la liberté d'opinion, ça vous l'avez dit aussi. Mais surtout,
et c'est là où ça devient grave, de fabriquer l'opinion. Et c'est eux qui fabriquent la liberté d'opinion. Moi, je suis d'une génération où il y avait 1500 journaux de free press. Les NPP, qui veulent dire Nouvelle Messagerie de la Presse Parisienne, c'est-à-dire le groupe Hachette, a créé de toutes pièces ce journal avec mon ami Jean-François Bizot, qui s'appelle Actuel, et tous les journaux de free press ont disparu, capitalisés par ce seul journal qui avait l'audience et la publicité et la diffusion des NPP. Voilà, c'est ça qui se passe. La véritable idée, c'est qu'on fabrique l'opinion. Et là, les journalistes, excuse-moi, mais les journalistes ont leur responsabilité. Regardez la part qui est faite, moi je n'ai rien contre, entre le football d'un côté et la poésie de l'autre. Regardez la part qui est faite entre la communication des partis politiques et les associations de l'autre. C'est un choix. Ce choix est un choix rédactionnel. Alors ceux qui disent que malgré les patrons du pouvoir économique ont leur liberté, mais alors qu'ils faussent des sous-rubriques en fonction de leur liberté. Et qu'on n'est pas droit qu'au seul football et aux seuls partis politiques qui ont pignon sur rue. On ne t'entend pas, je te propose de venir à la tribune et d'utiliser ce micro. Sauf si le micro. Non, mais ça ne sera pas enregistré, c'est pas bien. Non, viens jusqu'ici, s'il te plaît. Non, c'est un volume qui ne permet pas. N'est pas comme dans la musique, deux fois plus important que celui des pauvres. On n'a rien entendu. Je vais le redire. Oui, mais excusez-moi. Je voulais vous poser la question, monsieur le professeur, savoir si vous croyez que le vote est la seule expression d'une opinion, et si le vote des riches n'est pas comme la musique, deux fois plus important que celui des pauvres. Oui, la question qui a été posée, c'est celle de la question du rapport de toute cette discussion avec la procédure électorale. Voilà, en gros. Alors, la procédure... Premièrement, il faut dire, la procédure électorale n'est pas indépendante de tout ce que nous avons discuté. Parce que la procédure électorale, c'est en même aussi une question de quelles sont les opinions des uns et des autres, quels sont les moyens d'information dont ils disposent, pour qui les grands médias vont-ils faire campagne, etc. Par exemple, on sait qu'aux États-Unis, rien que pour être candidat, il faut déjà disposer d'une fortune personnelle considérable. Sinon, on a très peu de chances de parvenir même au second tour. Et ici, on est un peu dans la même... Et moi, ce qui me frappe tout de même, c'est que depuis maintenant plusieurs décennies, il y a... que le gouvernement soit de gauche ou de droite, une évidente continuité. C'est-à-dire, il y a un renforcement incessant des contrôles libéraux sur le processus économique, il y a des privatisations massives, et ce qu'on nous promet avec le gouvernement actuel est encore pire. C'est encore pire parce que ça va radicaliser tout ça, et j'ai été... particulièrement frappé par le fait que commence à se répandre, soutenu par les milieux dirigeants,
l'idée qu'il faudrait en finir avec l'idée de service public et l'idée d'emploi public. Donc il peut se préparer une privatisation massive, progressivement. La disparition, tout simplement, de la tradition française, d'un certain fonctionnariat au service public. Et donc, nous allons vers un avenir d'écoles privées. Il y a eu des déclarations tout à fait extraordinaires concernant, par exemple, la SNCF, émanant, alors là, directement du personnel présidentiel, où il était question que les gens croyaient stupidement que la SNCF, c'était une question de gare et de train, alors que la SNCF, ça devait devenir un prestataire d'information sur le transport en général. Ça nous promet des merveilles dans tous les ordres de l'organisation de la société. La procédure électorale, après tout, il faut bien voir qu'elle n'a été vivante qu'au moment où il y était présent des forces qui représentaient une alternative effective. Alors, ils étaient pendant longtemps écartés du gouvernement. D'accord, c'était normal, puisque leur vision était autre. Mais ils étaient tout de même présents, et sous la forme de la gauche ou de l'extrême-gauche, il y avait une présence interne au processus électoral, d'au moins l'idée qu'autre chose était possible. Or ça, je pense que c'est un point capital. À partir du moment où l'opinion est convaincue, de façon dominante, qu'en réalité aucun autre chemin n'est possible que celui qui domine, on n'a même plus besoin de lui dire que ce chemin est bon. Il suffit de lui dire qu'il est nécessaire. Vous comprenez ? Et quand il y avait réellement un parlementarisme vivant, il y avait deux options entre lesquelles il fallait choisir. Et le dernier choix de cet ordre a été en 1981, en réalité, au moment où une gauche unie et une droite gaulliste se sont affrontées. Malheureusement, la chose a été, vous le savez, trahie et abandonnée au bout de 2 ou 3 ans au maximum. Mais c'était la dernière. Depuis, c'est quoi les élections ? Les élections, c'est une question de vagues nuances entre des formes pratiquement identiques sur le fond de libéralisme économique. Dans ces conditions, on est revenu à notre discussion première. On n'est pas dans le conflit entre des opinions clairement distinctes. On est dans un espèce de magma indifférencié d'opinions très semblables les unes par rapport aux autres. Et les groupes qui représenteraient une alternative sont absolument mis dans des situations minoritaires radicales. Donc, pour répondre à la question, je ne pense pas du tout qu'aujourd'hui, la procédure électorale soit le cœur du problème. Il faudrait d'abord reconstituer un mouvement idéologique d'opinion et de militance sur l'idée simple qu'une autre vision globale et stratégique de la société est possible que celle qui domine aujourd'hui. Alors vous me direz, cette tâche, il faut la prendre en main, voilà. Il faut la prendre en main par les expériences locales qu'on peut contrôler, par le fait qu'on en parle, par le fait qu'on fait des petits journaux et des tracts dans cette direction, etc. Il faut réhabiliter la possibilité d'une vision non capitaliste de l'organisation générale de l'économie, de la production et de la société tout entière. S'il n'y a pas cela, nous continuerons le chemin actuel et ce chemin actuel nous conduira un jour ou l'autre à la guerre. Parce que l'économie concurrentielle porte la guerre en elle-même à un moment ou à un autre. Il suffit pour ça qu'il y ait de nouveaux candidats au partage de l'hégémonie dans le monde, et il y en a, et à la Chine, et quelques autres. Et à un moment donné, comme ça a été le cas en 14, comme ça a été le cas en 40, il faut une explication guerrière générale pour savoir qui est hégémonique. Et comme l'hégémonie américaine est déclinante, d'autres clients se proposent pour... S'il n'y a rien, si tout se passe conformément à cette espèce de rupture permanente entre liberté et égalité, nous irons à quelque chose de catastrophique. C'est pour ça que je pense que c'est bien autre chose qui est en cause aujourd'hui que la question de savoir si on peut encore remporter quelques suffrages électoraux ou est-ce qu'on peut regonfler une gauche moribonde. Il faut passer à autre chose avec les forces disponibles. Il faut précisément que la question de l'information, la question de l'éducation, la question de l'opinion soit traitée par tous ceux qui pensent que telle est la voie,
de façon à ce que soit restitué le lien fondamental entre liberté et égalité sur l'ensemble des questions politiques qui seront en jeu. Et il y aura beaucoup de questions à traiter, puisque le courant réactionnaire, actuellement, essaie de se déployer tous azimuts, c'est-à-dire sur la totalité des questions de la société. Voilà. Alors, après le vote, s'il y a moyen d'occuper dans des conditions viables une petite position de pouvoir quelque part, pourquoi pas, hein, c'est pas... Voilà, ça peut être un laboratoire d'expérience positive. Je ne suis pas... hostile à ça de façon de principe. Mais la question aujourd'hui, alors disons-le nettement, la question dominante aujourd'hui, c'est une question idéologique. C'est une question idéologique. Il y a des moments dans l'histoire où c'est comme ça. C'est pas la première fois. Hein. Avant la Révolution française, à la fin du XVIIIe, les Rousseau, les Voltaire, etc., et ils ont considéré que la situation exigeait un mouvement idéologique. Et il y a eu la philosophie des Lumières bien avant qu'il y ait la Révolution française, qui s'en est inspirée, et Robespierre, Saint-Just et les autres, ils connaissaient Rousseau comme leur poche. Donc il y a eu d'autres époques où la préparation pour donner un coup de barre historique fondamental était de caractère idéologique. Ça a été la même chose en Russie à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Il y avait une agitation idéologique extraordinaire des grands écrivains, des militants, et même... en France, dans les années 1840, ou, à vrai dire, au moment du Front populaire dans les années 30, ce qui a été décisif, c'est aussi des propositions idéologiques novatrices faites à grande échelle. On est dans une situation comme ça. Les situations historiques ne sont pas toutes pareilles. Il y a des moments où la préparation idéologique, c'est pas le point principal. Le point principal, c'est l'occupation des positions de pouvoir. Il y a des moments où c'est convaincre les gens qu'il existe un autre chemin que celui qui domine aujourd'hui. Et ça, après tout, n'importe qui peut le faire à sa manière, avec les gens qu'il connaît, les voisins, les enfants, etc. Donc, courage. Ah oui, monsieur. Il faut qu'on vienne ici. Non, moi, sur votre intervention, il y a un élément que je voudrais rappeler, c'est que la presse, son objectif, c'est pas quoi penser, c'est comment penser. Et en 1979, il y avait un article du Monde qui reprenait tout ça. Est-ce que le rôle de la presse, c'est pas de savoir quoi penser ou comment penser? Parce que si on vient de là, on regarde le contenu qu'il y a dans les écoles de journalisme. Vous avez parlé d'éducation, mais dans les écoles de journalisme. Moi, j'ai préparé le concours d'entrée à l'école de Strasbourg, en 79. Première question qu'on me pose, êtes-vous communiste? Oui. Puisque j'étais militant syndical. Je dis oui. Est-ce que vous avez l'intention d'en changer? J'ai dit non. Il a dit, mais il y a une compatibilité. Ça, c'est au jury, hein. Il y avait le directeur de Nouvelle d'Alsace, le directeur de FR3, le directeur de l'école. Quand on voit ça, ça veut dire que depuis 79, on forme sur cette base-là. Donc, ah oui. Ça fait 40 ans, vous parlez de ce truc. Non, mais attendez, il y a 40 ans, on parle. Mais la question, elle est essentielle, là. C'est la même question, monsieur. Quand de les médias. Pourquoi les gens les forme à d'une manière de penser, à une manière de structurer l'opinion? Sinon, comment on pourrait croire qu'on dénigre complètement quand un gars, il vient donner une opinion qui est différente de l'idéologie dominante, et c'est pour ça que les grands patrons qui prennent les médias, c'est on forge l'opinion, comment penser? Après le reste, ça va tout seul. Hein. Voilà moi ce que je voulais. Il faut que je réagisse. Si c'était aussi simple que ça, monsieur, ça serait très évident. Voilà, si on formait les gens de cette façon frustre, ça serait trop simple de mettre le doigt dessus. C'est pas comme ça que les choses se passent. Mais ce que je veux dire là, c'est pour l'expérience personnelle. Oui, c'est possible.
il y a 40 ans, et puis il y a autant d'expériences personnelles que de personnes dans cette salle. Ce que je veux dire, monsieur, c'est que dans les écoles de formation de journalisme aujourd'hui, la formation, elle est technique. Après, la manipulation ou la déformation des esprits, elle se fait de façon beaucoup plus insidieuse. Je pense que M. Badiou peut nous dire ça de façon encore plus intelligente que moi. Peut-être le micro, il y a une question là et une question là. Une dame qui est loin aussi. Il faut venir ici pour parler. Il n'y a plus de micro-baladeur, donc il faudra que tu viennes à la tribune. Bien. Voilà, bon, ayant en charge la responsabilité du quotidien qui vous accueille, en l'occurrence la Marseillaise, vous pouvez imaginer, je suis assez passionné par le débat que j'entends depuis tout à l'heure. Donc je voudrais donner une opinion, même si pour l'essentiel je partage ce qu'a dit Alain Badiou sur la question du rapport liberté-égalité. D'ailleurs, entre parenthèses, si vous avez parlé de libération tout à l'heure, vous avez fait, ça m'a obligé à faire un parallèle entre, au fond, l'histoire. Normalement, on devrait faire le rapport entre libération et l'humanité, puisque ce sont deux quotidiens parisiens. Mais vous comprendrez que moi, je parle de la Marseillaise. Mais si vous faites un parallèle, vous regardez, au fond, le rapport liberté-égalité. Quand Libération, quand Libé est créé, il se situe très fortement dans la logique égalitaire émancipatrice du mouvement issu de 68. Et puis progressivement, le rapport liberté-égalité va s'inverser. Et on peut dire tout ce qu'on veut, je n'ai rien contre Geoffrin ni contre la rédaction de Libération. Cela étant, si, si. La fable, non, je n'ai strictement rien, il m'est arrivé de débattre avec lui, c'est pas le problème. Mais la fable qui consiste à penser qu'il n'y a pas de rapport entre la ligne éditoriale du Figaro et M. Dassault, qu'il n'y a aucun rapport entre la ligne éditoriale de Libération et la présence majoritaire de l'actionnariat de M. Drahi, et on peut dire la même chose, tu as cité Ancelin, la journaliste du Nouvel Obs, qui s'est fait virer. Elle s'est fait virer pourquoi, la journaliste du Nouvel Obs? Elle s'est fait virer parce qu'elle donnait trop la parole dans le lab, dans l'Obs, etc., sur le net comme dans le canard, à, en gros, ce qu'on lui a reproché, c'était de donner trop la parole à la gauche dite d'alternative. C'était même clairement dit. Oui, oui. Niel l'a dit clairement. Voilà. Y compris donc, moi, d'ailleurs. Alors, si Alain Badiou a compris, je pense qu'on peut comprendre. Voilà. Et donc, ce que je veux dire, c'est que le parallèle est quand même étonnant. Demain, 2 décembre 2017, la Marseillaise aura 74 ans. Elle est née le 2 décembre 1943, dans la Résistance. La Marseillaise n'a jamais changé de ligne éditoriale. On ne peut pas dire que Libération n'a pas changé de ligne éditoriale. Voilà. On ne peut pas dire ça. Ce n'est pas possible. Entre le journal de Jean-Paul Sartre et le journal de Laurent Geoffrin, il y a un écart, il y a une faille, il y a un gouffre. Voilà. Donc, moi, je partage tout ce qu'a dit Alain Badiou sur les contraintes qui pèsent, etc. Je pourrais même en ajouter d'autres, d'ailleurs, très brièvement. Il faut savoir que le système institutionnel d'aide à la presse tel qu'il est issu de la Libération, d'un point de vue philosophique, c'est le Conseil national de la Résistance. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il a été complètement perverti par le système étatique lui-même, qui fait qu'un canard comme le Figaro bénéficie des aides de l'État dans un rapport qui va de... Allez, je suis gentil, de 1 à 5, de 1 à 6, de 1 à 7, parfois beaucoup plus. Voilà. Vous avez des aides de l'État qui vont vers... Au fond, on ne prête qu'aux riches dans cette affaire. Voilà. On ne prête qu'aux riches. Et un journal comme la Marseillaise, qui, comme vous le savez tous, est dans d'énormes difficultés et a failli passer à la trappe il y a une semaine, 15 jours, pardon, il y a 15 jours, a failli passer à la trappe, puisqu'on est passé devant le tribunal, et qu'il y avait 50 chances sur 100 que nous soyons liquidés, et 50 chances sur 100 que nous ne soyons pas. Nous ne l'avons pas été,
Et je viens à la deuxième partie de ce que je voulais dire, pour ne pas être trop long, parce que je suis quand même très attentif au fait, à un certain nombre d'interventions qui disent « Oui, mais alors attention, est-ce que, comme dirait Aragon, est-ce qu'il est possible que le malheur succombe ?» Voilà. Moi, je suis effectivement très lucide sur la réalité des rapports de force aujourd'hui dans le monde, hein, d'autant plus qu'on est en train de réduire en Europe, en France, le débat politique à un affrontement prétendument conflictuel entre une droite libérale autoritaire et un peu populiste, et une droite et une extrême droite directement populiste qui est ce que vous savez. Voilà. Et que cette réduction du paysage politique est totalement mortelle pour la démocratie et mortelle pour la paix, au passage. Voilà. C'est-à-dire que ça va être facteur de guerre, inévitablement. Mais je pense que, puisque Christian Poivet est intervenu tout à l'heure, je peux citer des poètes, il y a un poète allemand que j'aime bien qui s'appelle Hölderlin, qui disait que quand on croit le péril, on croit aussi ce qui sauve. Je crois, moi, que dans la situation d'aujourd'hui, il y a les moyens de se sauver de la domination sans partage d'un capitalisme financiarisé, mondialisé, autoritaire, etc., etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui commencent à se poser des questions sur le poids de l'argent dans leur vie et dans la vie de la société, qui commencent à se poser des questions autour du commun. Alain Badiou parle toujours d'idées communistes. Par exemple, la question du commun, elle apparaît, y compris dans des expériences sociales, économiques, etc. Il y a un travail aujourd'hui qui se fait à nouveau sur les valeurs d'égalité, de justice, le féminisme, l'antiracisme. Bref, il y a toute une série de mouvements qui font qu'il y a aujourd'hui des conditions, me semble, réunies pour reconquérir la part dont vous parlez tout à l'heure, c'est-à-dire cette capacité alternative à définir une sorte de post-capitalisme, mais qui maintienne un équilibre entre la liberté et l'égalité, une liberté réelle et une égalité réelle. Voilà. Donc je pense que là-dedans, alors je m'excuse d'être allé très loin pour revenir sur notre cas précis, je pense qu'une presse que je n'appellerai pas indépendante, mon problème c'est pas simplement d'être indépendant, mon problème c'est aussi que nous sommes, la Marseillaise fait partie d'une presse qui se définit comme une presse émancipatrice. Elle se situe dans un combat alternatif, un combat politique. Et la question de la presse aujourd'hui, la question d'une liberté de la presse aujourd'hui, c'est une question de caractère politique. Et je pense que c'est là-dessus que le débat doit se faire. Voilà. Il doit se faire contre la puissance concentrationnaire, parce que c'est terrible les concentrations qui ont lieu. On n'a jamais atteint ce niveau-là en France. Et en même temps, il est évident que un canard comme la Marseillaise, alors je pourrais parler du Ravi, je pourrais parler de plein de choses qui se passent dans la région, je connais les difficultés des autres, même si j'ai suffisamment de ma part de difficultés avec le journal dans lequel vous êtes, mais je suis convaincu d'une chose, c'est qu'on ne gagnera pas, nous, on se bat comme des chiens, mais on ne gagnera pas si on n'établit pas un rapport de force où tout le monde doit jouer un rôle. Le mouvement syndical, le mouvement social, le mouvement politique, les journalistes. Moi, je trouve qu'il faut travailler aussi à une prise de conscience. Regardez les débats qui ont lieu autour de Cache Investigation à la télé, où vous avez des gens qui tombent sur Élise Lucet, et est-ce qu'on va la laisser passer à la trappe ou voir rentrer dans le système, voilà. Et donc tout ça mérite effectivement des mobilisations très fortes. Et moi, je vous le dis tranquillement, dans notre région, si demain, par malheur, il n'y avait plus la Marseillaise, et c'est une hypothèse crédible, je ne vous cache pas, s'il n'y avait plus la Marseillaise, je ne crois pas d'ailleurs que le... Voilà, je crois que la presse papier a encore un rôle politique à jouer très important. Voilà, s'il n'y avait plus la Marseillaise, je peux vous dire que le combat alternatif, il en prendrait un vieux coup.
Voilà. Et le paysage politique dans cette région, il serait sacrément transformé. Voilà. Si je voulais paraphraser Kennedy, je dirais ne demandez pas à la Marseillaise ce qu'elle ne peut pas vous donner. Posez-vous la question de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire pour elle. Non, mais ne vous excusez pas. Non, je vous remercie. Puis je suis d'accord avec l'ensemble de ce que vous avez dit. Donc, du coup, je vais pouvoir en dire moins, ce qui est très bien. je voulais juste dire que il y a un mot, moi, qui me tient à cœur. C'est, enfin, en tout cas, dans certains cas, c'est le mot enquête. Et je pense qu'effectivement, là, nous sommes en train de faire une sorte d'enquête. Et d'une certaine façon, nous sommes déjà en train d'apercevoir qu'il y a, non pas, comme disait une personne tout à l'heure, mais alors il n'y a rien à faire, mais qu'il y a en vérité des chemins possibles. Et les associations et les structures là, qui ont œuvré pour faire venir Alain Badiou, ce n'était pas une bande de disciples ou de badiouistes, et on n'a pas fait venir un maître ou un gourou du tout. C'était des gens vraiment qui étaient dans un désir très fort de penser, juste d'inviter des gens pour commencer à penser et à réfléchir avec eux. Et ce sont des gens qui font partie, c'est pour ça que je reviens là-dessus, qui ont des professions très très différentes. Et moi, je pense que ce que vous dites là, c'est extrêmement important, parce que ce qu'il faut trouver, c'est cette forme de dialogue entre différents champs de société. S'il n'y a pas, je dis le mot enquête, parce que s'il n'y a pas des médias, alors vous disiez, je comprends bien pourquoi vous dites que le mot indépendant ne suffit pas en vérité, hein, c'est-à-dire, mais des médias en tout cas qui aient la possibilité de faire des enquêtes et de les mener, et des investigations, s'il n'y a pas une justice indépendante, alors le mot vote est plus qu'un fétiche d'une démocratie qui est vidée de son sens. Ce n'est pas la peine, effectivement, mais ça, M. Badiou l'a dit des tas de fois, de parler de démocratie si on pense que simplement il suffit tout d'aller voter pour que quelque chose se passe. Mais là, je reviendrai à un poète qui est Bernard Noël, un écrivain, c'est qui a inventé un concept qui, moi, m'est très cher, qui est le concept de censure avec un S. Parce qu'effectivement, ce que je vois, c'est qu'on peine collectivement à percevoir justement ces formes d'oppression et de domination, pourtant, qui ont pourtant des effets absolument terribles sur l'ensemble de nos vies. Parce que ce n'est pas seulement une question d'opinion. Si tout à coup, il n'y a pas d'enquête qui puisse être publiée sur Monsanto, on voit très bien comment les effets absolument immédiats sur la santé publique, sur la santé privée, sur nos vies même, deviennent absolument redoutables. On n'a plus aucun moyen, même si on était uniquement, ce qui n'est pas mon cas, non pas du côté de l'émancipation, ce qui est mon cas, mais du côté simplement de la conservation des corps, etc. On voit bien que même là, on ne peut plus du tout se protéger de cette domination et de ces effets de corruption permanents dans tous les champs de la société et dans tous les champs de notre existence. Donc je pense que là, cette question d'avoir les possibilités de mener cette enquête véritablement, et non seulement de débusquer les fake news là où elles sont, de débusquer la propagande et le mensonge qui est devenu la règle, mais en plus de dire vraiment. Et là, je pense vraiment, je nous invite tous à nous tourner aussi vers les artistes, vers les cinéastes, vers les écrivains, vers les journalistes, vers les juges qui se plaignent aussi de ne plus traiter d'affaires financières parce qu'on ne peut plus les lui donner, parce que la loi est faite de telle façon. Et tout ça, effectivement, ça ouvre quand même des lignes de traverse dans lesquelles il faut au moins, eh bien, disons, se sentir encouragé d'être là ensemble ce soir. J'ai passé beaucoup de temps à filmer Charles Biancheri, que quelques-uns connaissent ici. Charles Biancheri, c'est un vieux monsieur maintenant, je crois, 92 ans, qui a été un résistant très engagé, très impliqué, et qui me racontait qu'au lendemain de la guerre, la Marseillaise était propriété nationale, et qu'il avait fallu racheter le journal. Et il me racontait qu'il mettait des drapeaux en bas de la rue de Rome, à l'angle de la rue de Rome et de la Canebière, et que les gens jetaient l'argent dans le drapeau, et ce qui a permis de racheter le journal. Et il racontait également, ça c'est pour boucler sur les aspects économiques, il racontait à un moment que le fournisseur de papier avait exigé que le papier soit payé au cul du camion. Et qu'il n'avait pas d'argent, bien sûr, le journal n'avait pas suffisamment de trésorerie. Et pareil, ils ont organisé une grande collecte, et dans les 3 jours, ils ont réuni suffisamment d'argent pour pouvoir continuer à imprimer. Je crois qu'il faut s'inspirer de ces histoires, qui sont des histoires, même si elles sont un peu anciennes, qui restent récentes, c'est 50 ans. Et nous sommes capables de faire la même chose. Il y avait une dame qui voulait... Non, c'est fini. Une autre dame là-bas qui voulait parler. On va tenter.
demander si le programme de la France insoumise, l'avenir en commun, était assez révolutionnaire, bien que pas dans toutes les pages on parlait de l'appropriation du capital, mais enfin de l'eau, de l'océan, il y avait des choses comme ça, quoi. Et puis, à la marge, au premier tour, il y a eu quand même 7 millions de personnes qui ont voté pour, donc ce n'est pas des marginaux. Et le mouvement qui a eu le 23 septembre aussi, il était assez conséquent. C'est la lutte unie qui manque en ce moment. C'est ça, pour faire basculer dans le sens que disait madame juste avant moi. Voilà. Oui, mais de toute façon, pour l'instant, moi, je pense que l'ensemble des initiatives qui cherchent à se déployer dans une opposition réelle, en vérité, à l'ordre dominant, à l'ordre établi, doivent toutes être encouragées. Parce que l'idée que vous avez dite, qu'il faut fédérer les forces qui existent, et que Florence Padoutier repose, je suis tout à fait partisan dans l'état actuel des choses. Si la France insoumise rallie, comme elle le fait pour l'instant, de nouvelles parties de la jeunesse, des nouveaux militants, etc., eh bien, c'est très bien. Simplement, moi, j'attends de voir aussi quelle est la voie stratégique qu'elle définit et qu'elle trace. Ce n'est pas complètement éclairci, ça, encore. Ce n'est pas encore éclairci, mais c'est normal. Au début, les choses sont toujours un peu fédérées, un peu complexes. Mais j'attache une importance, moi, décisive au fait que surgisse une force unifiée, composite, multiforme, mais qui indique expressément que son chemin stratégique, c'est une autre voie que celle qui domine. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à dire « je vais m'installer dans l'ordre comme il est, puis je vais bricoler à l'intérieur ». Ça, à mon avis, ça ne peut plus marcher. Ça ne peut plus marcher, et donc je pense qu'il y a une figure de décision comme ça, idéologique, générale, une affirmation constante qu'un autre monde est possible que celui qui existe, qui doit ensuite s'expérimenter localement, qui doit rassembler le maximum de forces. Mais il y a une question de principe et d'idéologie qui est aujourd'hui déterminante, j'en suis persuadé, parce que c'est elle qui peut rallier les esprits à autre chose qu'à l'idée de petites transformations locales obtenues par surprise dans une élection. En plus, quand même, on ne peut pas continuer à voter pour des gens qui, à peine au pouvoir, déclarent qu'ils ne peuvent rien faire de ce qu'ils ont promis, quand même. Non, ça, c'est fini. Il faut déclarer la fin de ça. Oui, je serais assez d'accord, enfin c'est pas que je serais assez d'accord, je suis tout à fait d'accord pour considérer qu'aujourd'hui, c'est ce qui manque à une perspective radicale pour une rupture sérieuse et durable, c'est un système d'idées, si je puis dire, un peu identique, je vois la référence qui a été faite, que l'on peut faire à la révolution française. Il y a eu aussi d'autres révolutions au 19e qui ont amorcé des processus avec des systèmes d'idées, mais le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le système d'idées sur lequel on pourrait se fonder pour aboutir à la rupture réelle, c'est-à-dire l'hypothèse communiste à mettre en place, elle ne peut pas se faire dans l'état actuel des choses, parce que le système d'idées fondé sur lequel on se fonde pour y aller, à cet endroit, est entaché par les ruptures historiques ou les dérives historiques que nous avons eues au cours de la fin du 19e et surtout du 20e. Donc, moi, je suis très embarrassé pour savoir comment on peut reconstituer un ensemble idéologique, comme vous disiez tout à l'heure, moi, je suis d'accord, mais
qui fonde la perspective politique dans laquelle vont s'inscrire des dirigeants politiques en sens édifiant, comme l'affaire Robespierre, Saint-Just, etc., etc. Voilà. Donc j'ai un problème de ce côté-là. Je vois difficilement comment, en l'état actuel des choses, on peut mobiliser des personnes, des groupes, ou voire des classes sociales, autour d'un projet de cette nature. Moi, ce qui m'interpelle aujourd'hui, depuis de nombreuses années, c'est qu'en fait, bon, là, on parle des journalistes, on parle de tout le monde, un autre monde existe, et j'en suis profondément convaincue. Malheureusement, quand on est dans la rue, et qu'on se bat avec une idée, justement, on voudrait voir ce monde changer, on s'aperçoit que le peuple, lui, il est ailleurs. Il est ailleurs parce que les propositions qu'on lui fait le distraient de son véritable désir, celui de son émancipation. Peut-être qu'il n'a pas conscience qu'être émancipé, c'est drôlement mieux que d'être aliéné à un iPhone, par exemple. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que malheureusement, la société est distraite en permanence par des objets, ce qui a été dit en début de séance et que j'approuve totalement, et que cette distraction a pris le dessus sur le réel de notre existence. On ne sait plus ce qui est sincèrement et obligatoirement nécessaire pour que des êtres ne soient plus opprimés. On ne le sait plus. On nous montre la nécessité, ce que vous disiez tout à l'heure, la nécessité de créer la compétition, parce que dans le monde dans lequel on vit, il y a nécessité à être créative, inventive. C'est le discours de Macron. On a vu ce qu'il a donné là au Burkina Faso. Moi, je ne suis pas colonialiste, mais je traite les Noirs comme des minables. C'est ce qu'il fait. Et personne ne bouge. Alors moi, les journalistes, je dis, on n'a que ce qu'on se mérite. On a les politiques qu'on se mérite et on a les journalistes qu'on se mérite. Parce que au lieu de vaquer à des petites occupations débiles et débilisantes, si le peuple se bougeait un peu son cul, excusez-moi de l'expression, mais il n'y en a pas d'autre, on ne serait pas dans la merde dans laquelle on est. Voilà ce que j'ai à dire. Oui, mais je voudrais juste faire une remarque sur ce point. Vous nous décrivez en réalité l'ensemble des phénomènes qui font que l'idéologie dominante est dominante. Mais le problème, c'est que nous ne pouvons pas partir pour nourrir notre espoir de l'idée que l'idéologie dominante n'est pas dominante. Et il faut combattre cette domination, mais il ne faut pas considérer dès le début comme un obstacle à la conviction le fait que l'idéologie dominante, mercantile, consumériste, etc., soit dominante, bien sûr. Notre tâche, c'est de renverser cette domination, mais nous sommes bien obligés de reconnaître qu'elle existe. Et il est très vrai que le consumérisme est une manière, en un certain sens, de corruption permanente des esprits. C'est bien pour ça que nous devons inlassablement dessiner le portrait d'une société dans laquelle cette corruption a disparu au profit d'autre chose, au profit d'autres valeurs finalement plus intéressantes, plus réelles et moins perdues dans le rêve individualiste de la consommation. Mais moi je pense que c'est un point très important de ne jamais faire de l'observation toujours possible que l'idéologie adverse domine un obstacle personnel, parce que sinon on ne peut pas s'engager dans le combat, ça tourne en rond, on est dans une circularité. Et effectivement, je ne suis pas du tout en train de dire que la tâche qui nous attend est une tâche facile. Nous sommes dans les époques où le combat est un combat idéologique, la tâche est toujours difficile, puisque précisément on se heurte à une opinion qui est largement constituée de façon adverse à nos propres projets.
Mais c'est, si les penseurs de la fin du XVIIIe siècle avaient commencé par dire « Finalement, la religion et la monarchie sont tellement dominantes que ce n'est pas la peine d'y aller », ils auraient eu raison descriptivement, mais ils n'auraient pas pu faire ce qu'ils ont fait. Nous sommes dans une situation où il faut que des groupes se rassemblent dans la conviction que d'un point de vue idéologique, ils sont minoritaires pour l'instant, mais que précédemment, on commence toujours par être minoritaire à la fin des fins, dans cette, si on veut renverser une situation. Parce que quelquefois, j'ai le sentiment que les gens considèrent comme un obstacle qu'on ne soit pas déjà majoritaire. Et ça se saurait si on était déjà majoritaire. Ça se saurait. Effectivement, nous avons quantité d'exemples qui montrent que nous ne le sommes pas, loin de là. Mais nous avons aussi de quoi dire, et je suis d'accord avec tous ceux qui l'ont souligné, nous avons aussi de quoi dire que nous pouvons rassembler des gens qui ne sont pas dans cette majorité écrasante, qui veulent en sortir, et de trouver les chemins d'action qui permettront de gagner du terrain. Et ça, je crois qu'il ne faut jamais considérer la force de l'ennemi comme une raison de ne rien faire. Ça, ça a l'air simple et idiot, mais ça ne l'est pas. Parce que l'ennemi argumente toujours du fait de son caractère dominant pour dominer. C'est-à-dire que ça se reproduit soi-même, la domination. L'argument principal, au fond, aujourd'hui, des tenants du système, c'est que rien d'autre n'est possible. Voilà. Ils n'ont même pas besoin de dire que c'est bien ce qui se passe. Ils s'en fichent de ça. Ils disent rien d'autre n'est possible. Alors, s'il y a une première chose à faire, c'est à dire que si, quelque chose d'autre est possible. Et il faut prendre sur soi-même l'affirmation résolue de cette conviction. C'est elle qui crée le terrain pour les moyens de sa réalisation. Mais sinon, il ne faut surtout pas se décourager soi-même au vu de la domination, parce que là, je suis d'accord avec vous, ce que vous racontez est tout à fait exact. Et effectivement, le principe du consumérisme et ce qui est rattaché à tout ça est aujourd'hui dominant. Il est dominant dans une tendance qui n'est pas achevée de construire sa domination. Parce que les mutations politiques de la période récente, la disparition de la gauche, l'apparition de Macron, etc., qui est un espèce de petit Napoléon III, comme ça, c'est quand même vraiment aussi une mutation politique qui va dans le même sens de la consolidation de la domination. C'est un échec aussi, si on veut, pour les forces progressistes. Mais enfin, bon, comme disait l'autre, d'échec en échec jusqu'à la victoire finale. Tout à l'heure, j'ai pensé justement à cette phrase en vous écoutant, « prendre sur soi-même ». Et madame, c'est vrai que vous pointez un point très important, c'est l'aliénation que nous ressentons dans ce monde d'objets, chacun son objet, chacun son écran, on est isolé. Et monsieur aussi, vous avez dit quelque chose, je reste sur ma faim, et c'est justement, on a tout le temps faim dans ce système, et on n'est jamais satisfait, on est surchargé et aussi jamais satisfait. Mais en fait, tout ça me fait penser à quelque chose que je vous en avais parlé tout à l'heure, je ne pensais pas le dire en public, mais que ex-président Obama a dit récemment, et ça c'est qu'il a rappelé ça, il a dit que la personne aux États-Unis, bien sûr, mon point de référence c'est les États-Unis, la personne la plus importante, ce n'est pas le président, ce n'est pas le vice-président, ce n'est pas la tête du Congrès, c'est le citoyen. Et ça c'est parce que le citoyen peut agir, il peut voter, et il peut aussi prendre sur soi-même ce qui se passe pour faire une différence. C'est-à-dire que les paroles de Kennedy qui étaient citées tout à l'heure ont été réduites par Obama il y a quelques années par « Yes, we can ». C'est ça le message. Et on a vu ça récemment aux États-Unis justement. On a quelque chose de jamais vu face à cette horreur que nous vivons aux États-Unis. Il y avait des élections spéciales dans l'État de Virginie, et d'ailleurs dans d'autres États aussi, où on a vu les personnes qui n'ont pas d'argent, qui n'ont jamais fait de la politique de leur vie,
être, devenir candidat dans les élections très variées, dans les comtés, dans les États, et gagner contre les personnes qui avaient gagné plusieurs mandats de suite. Donc non seulement ces personnes sortent de presque nulle part, prennent sur eux-mêmes une action pour faire une différence, mais d'autres gens votent pour eux. Donc voilà une différence. Et ça c'est une... Ça, pour moi, ça me donne de l'espoir. Bonsoir. Alors, je voudrais, moi, juste rebondir sur quelque chose, parce que vous faites un lien avec la Révolution française. Et ça me choque assez, à vrai dire, parce que pendant la Révolution française, les gens crevaient de faim, quand même. Et donc, les gens se sont battus parce qu'ils n'avaient plus rien. Et que... Ah, on me dit que non. Mais qu'aujourd'hui, justement, on a mis les gens... on a justement mis les gens dans une position où ils sont en position de confort... Et ils sont en position de justement ne pas... Enfin, ils peuvent vivre aujourd'hui... Enfin, beaucoup de gens, quand même, la majorité des gens peuvent vivre aujourd'hui avec ce qu'ils ont. On a mis aujourd'hui les gens dans une position où ils n'ont pas besoin de beaucoup plus que ce qu'ils ont aujourd'hui. Donc, évidemment, ça ne va pas pousser les gens à la révolution. Donc, vous dites, il y a une deuxième chose sur laquelle je voudrais rebondir. C'est sur le fait que, par rapport aussi, là, je reprends le sujet sur les journalistes... Le journaliste, pardon... C'est que je me demande comment les gens, les premiers acteurs de ces changements et les premiers affectés par ces choses, eux-mêmes réagissent. Quand est-ce que chacun se met droit dans ses bottes, en cohérence un peu avec lui et avec ce qu'il veut faire, et justement quand est-ce que ces gens-là eux-mêmes réagissent? Je pense que c'est les premières personnes qui devraient réagir. En tout cas, pour le monde des médias. Et une dernière chose, parce que vous parliez tout à l'heure d'Internet, et je suis d'accord avec vous sur le fond qu'évidemment, Internet, Facebook appartient à un des plus grands capitalistes, je suis tout à fait d'accord avec ça. La chose, c'est que si on veut toucher aujourd'hui un public jeune, c'est quand même la meilleure manière de le faire, c'est quand même celle-ci. Et que je pense qu'il y a quand même des mouvements... il y a quand même des choses qui se passent en ce moment, il y a des mouvements qui ont été créés en ce moment parmi les jeunes, et je pense que c'est quand même ceux de demain et ceux qui auront les premières conséquences de ce qui se passe aujourd'hui. Donc je pense qu'il ne faudrait pas les oublier, et qu'en plus, c'est grâce aux réseaux sociaux, c'est grâce à Internet, c'est grâce à ça que je pense qu'il y a des messages qui pourront beaucoup mieux passer, et des messages qui passent déjà aujourd'hui de toute façon, et qui pourront être divulgués comme ça à travers toute la jeune population. Voilà ce que je voulais vous dire. Pour la question, voilà, je me demande quand est-ce que réellement il sera possible qu'il y ait une révolution ou du moins un vrai mouvement, parce que juste une dernière chose, je trouve ça dommage que pour les mouvements de gauche, hein, il y a quand même pas mal de petits partis à gauche qui sont un peu concurrence, si tous ces partis-là peut-être aussi se mettaient ensemble, peut-être qu'on arriverait aussi à avancer un petit peu plus rapidement. Merci, je vais juste dire un mot sur les journalistes, après je laisserai la parole à Alain Badiou. Vous dites les journalistes ne réagissent pas, mais les journalistes, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est un terme totalement générique, alors qu'il y a des journalistes dans plein de journaux différents, dans plein de médias différents, et chacun fait des métiers différents. Il y a des journalistes, effectivement, dans certains supports de presse plutôt bien diffusés, qui se satisfont de ce système. Il y a des journalistes dans d'autres supports de presse qui se contentent de ne pas s'en satisfaire. Il y a des journalistes dans encore d'autres supports qui luttent contre le système. On en parlait tout à l'heure. Il y a des journalistes qui, aujourd'hui, créent des nouveaux métiers, qui crée de nouvelles façons de voir l'actualité, de nouvelles façons de voir l'information. Donc quand on dit « les journalistes ne réagissent pas », c'est un amalgame un peu rapide. Il y a des journalistes dans des grands supports de diffusion, et notamment ceux dont on parlait à l'instant, qui sont possédés par des grands groupes, qui ont une sorte d'attitude mainstream où rien ne dépasse et où on ne fait pas de vagues. Mais ce n'est pas les journalistes en général. J'ai dit les journalistes, mais j'aurais pu dire les Jean-Pierre, oui. Là, ici. Ah, pardon. C'est que là, sur la question... sur la question du droit, des médias et de la démocratie, il y a un élément qui me semble quand même assez important.
On parlait de médias et parfois, à juste titre, on peut faire des raccourcis en disant qu'un média, c'est uniquement l'organe de presse, donc l'émetteur du message. Et parfois, on a pu oublier aussi celui qui le reçoit. Et il me semble qu'il y a une question qui pourrait être abordée au niveau des citoyens, c'est la revendication du droit à l'information. Parce qu'on parlait justement pour faire bouger ce système-là, et hop, automatiquement, on pense aux journalistes, et on pense au métier de journaliste et au grand patron de presse. Mais il y a aussi beaucoup de métiers dans le milieu de la presse qui ont des grosses difficultés et qui, parce qu'ils vacillent, font aussi vaciller tout l'ensemble de la chaîne. Et je pense par exemple aux kiosquiers, où les kiosques ferment dans les quartiers, et y compris à Marseille, et vous vous retrouvez. Il y a des gens qui se retrouvent sans kiosque dans leur quartier à plus de 2, 3, 4, 5 kilomètres. Donc là, la rupture d'égalité, elle vient aussi peut-être du système de diffusion qui lui aussi perd en égalité. Et vous pouvez avoir les meilleurs journaux du monde, les plus indépendants du monde, les meilleurs journalistes. Si à un moment donné, il n'y a personne, soit qu'il imprime, ici, il y a une grosse imprimerie qui a failli fermer, une imprimerie qui imprime de très nombreux journaux dans la région, qui a failli fermer. Donc si à un moment donné, votre média ne peut plus être imprimé, diffusé au plus grand nombre, là aussi, il y a une rupture et les journaux resteront ficelés. Voilà. Donc à un moment donné, pensez aussi que du côté du citoyen aussi, il peut être à un moment donné en difficulté pour accéder à cette aux informations. Bien, après ce débat largement animé, je crois qu'il nous faut remercier Alain Badiou. Pamela. Michel Partout. Et Sébastien Modou. Et puis, bravo et merci à vous tous. Et s'il y a des choses à faire, faites-les pour vous. N'attendez pas que les autres le fassent à votre place. Merci encore. Un petit livre qui s'appelle Notre mal vient de plus loin.